Yo les amis, c'est Zenus Naruto. Alors j'espère qu'aujourd'hui vous allez tous très bien. Alors moi pour ma part ça va mieux, hein. La gorge s'est totalement rétablie. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur Stand 2 et plus particulièrement sur un combat de boss battle qui m'a quand même bien marqué quand je l'ai vu pour la première fois en trailer. J'aurais bien sûr parlé du combat d'Eidara vs Sasuke. Contre Gaara plutôt. Mais avant de commencer ce combat, je vais juste vous dire un truc rapidement. Je voudrais surtout un remerciement à quelqu'un, c'est à un de mes abonnés qui m'a offert un cadeau, un logo plus précisément. Je pense que vous l'avez vu ce nouveau logo dans le tournoi abonné fille. Je l'ai reçu juste un jour avant que je le poste, donc ça me fait quand même super plaisir d'avoir des cadeaux d'abonnés comme ça. Et franchement, ça m'a bien reboosté au niveau du moral. Donc franchement merci à toi, et si tu veux que je donne le lien de ta chaîne, tu me le dis en message, et si tu me le donnes, le lien de ta chaîne sera dans la description, et après faites ce que vous voulez, hein. Donc voilà, c'était juste pour remercier un de mes abonnés qui m'a offert un logo plus un background que vous pouvez voir bien évidemment sur ma chaîne. Donc on va commencer ce combat, et après je vais finir par un petit détail qui m'a un peu gêné lors de ma dernière vidéo, mais je vous redirai ça à la fin de ce combat. Donc tout d'abord, ça fait longtemps quand même que j'ai pas joué à Storm 2, je vous l'avoue, parce que trop habitué à Génération avec son système de combat, ça fait bizarre. Juste les permutations, les dash aériens et tout ce genre de trucs, ça fait un peu drôle. Donc c'est la nouvelle scène. Ouh là là, voilà. Ok, ça fait longtemps que j'avais pas fait ce boss battle. J'avais fait juste le boss battle de... Ah merde, ah, d'accord, c'était B pour taper. Allez, on va l'enchaîner. Déjà la garde brisée, hop. Voilà. On va rechanger son chakra. Ah ouais, je savais pas qu'il avait ce jutsu, tiens. Un bras écrasé. Oulala, allez, on va esquiver. Allez, break, vas-y, non. Allez, go. On va entendre ce jutsu. Oh, j'ai failli le toucher. Ah, j'ai failli le toucher. Si, je sais pas si je l'ai touché, mais... Il me semblait que oui. Vas-y, lance ton oiseau, vas-y. Ouh, il a failli m'avoir. Aïe. Ça va être chaud là. On va l'esquiver. Non, là il balance que ces bestioles au loin là. Allez. Oh voilà. Ah, il est pas mal, hein. Dommage qu'il n'y ait pas ce jutsu. Je le trouvais sympatoche. Oula, ça sent pas bon. Allez, je recharge mon chakra, je sais pas ce qu'il fait d'Eidara là. On dirait qu'il s'est mis à voler depuis tout à l'heure. Oulala, oh punaise. Allez, viens là, espèce de lâche. Viens là. Bon là, je commence un peu à m'ennuyer là, donc je vais lui balancer mes petits shurikens. Hein, on va pas se casser la tête. Lui aussi, il nous fait du X depuis tout à l'heure. Elle obtient. Oh punaise. Allez, on va plutôt. Oh là là là, il nous envahit les petits araignées. Allez Deidara, redescend. C'est pas la partie que j'aime le plus dans ce boss battle, hein, je vous l'avoue. C'est un peu ennuyant le fait toujours d'essayer d'attendre que Deidara revienne au sol pour. Oh non! Je disais, c'est un peu chiant d'attendre que Deidara revienne au sol. Ah, là, ça va être intéressant. Les QTE, voilà. Allez, protection. Esquive.
Et voilà, là je l'ai bien fait sauter son oiseau là. Ah là voilà, là je... C'est ça le truc le plus intéressant dans ce combat et c'est franchement énormissime. Alors moi je ne sais pas viser apparemment. Alors là, attendez, faut que je m'en souvienne d'abord pour viser avec le viseur, voilà. Il bouge de partout. Oula, je vais d'abord pas me faire sauter par ces oiseaux là. Ah, il a réussi à s'échapper. Allez, on va le canarder. Ouh là, d'abord les ces oiseaux d'argile là. Hop, voilà. D'accord, c'est vrai que j'avais totalement zappé qu'on avait la mitraillette de sable. La mitraillette, façon de parler, bien évidemment. Alors, je ne sais pas s'il y a un jutsu avec ça. Je pense que oui, quand même. Sinon, je suis pas en train d'user mon chakra bêtement. Ah, voilà, là, c'est là. On va l'écraser, voilà. Deuxième partie, plutôt troisième partie du QTE, plutôt du combat, plutôt. Alors, ma terroriste, avec la police. Et voilà. Allez, on va essayer de protéger Suna. Elle est en mode Al-Qaïda, je fais tout sauter, je fais sauter World Trade Center. Boum! Sauf que t'as fait sauter personne, mon ami. Ah putain, c'est magnifique, c'est tout simplement magnifique, ces images, ces QTE, franchement, c'est énorme. Waouh! Ah, le facteur secret, alors, le facteur secret, c'est. J'ai eu tous les étoiles, j'ai tout fait correctement, sans me louper, donc j'ai eu ce facteur. Ouf, oh putain, j'ai failli louper, j'étais tellement à fond dans le QTE, à fond dans le truc là. Allez, écrase-le. Ah, il s'en aurait échappé. Ouh là 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 là, c'est pas bon pour lui, la bombe bijou. Je ne dis rien. Allez, le bijou d'Ama. J'en connais un qui va s'en prendre plein la gueule. Et Dara, t'as terre à te barrer, je te dis. Et bam, one shot. Ah, tu l'as senti venir, hein. Tu l'as senti, celui-là. Espèce de terroriste. Et voilà, tombe. Ah là là, le combat, il est terminé, hein. Il est terminé. Désolé de pas avoir beaucoup parlé, c'est vrai que... j'étais plus, je voulais plus vous laisser savourer tout ce qui est phase de QTE et tout ça. Mais bon, j'espère quand même que ce combat vous a plu. Donc, je vais dire ce qui m'avait un peu gêné lors de ma dernière vidéo. C'était tout simplement, je pense que vous l'avez remarqué, que ma vidéo c'est masse. Et je vais la répéter tant de fois, massement disliké. Donc, franchement, je n'ai pas envie de savoir les raisons, mais je vais pas non plus m'attarder sur ça. Je vais simplement vous dire que pour l'instant, à titre provisoire, je vais désactiver tout ce qui est les avis, les j'aime ou les j'aime pas. C'est vrai que pour ceux qui me suivent vraiment et qui aiment mes vidéos, je suis vraiment désolé, mais là vous payez un peu, j'ai envie de dire malheureusement, voilà, ça me fait mal, mais vous payez un peu les conneries des autres. Mais si la situation se calme, je remettrai les avis et il n'y aura pas de soucis. Donc quand même, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé de ne pas avoir beaucoup parlé, c'était plutôt pour vous laisser un peu le... tout le combat, tout ce qui est phase, les scènes, les QTE, donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Mettez quand même un commentaire pour que je sache vos avis, et donnez-moi peut-être vos avis sur le nouveau logo
et tout ça. Hein. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.